Πάρε να δείτε τους άλλους. Ouais. Non, c'est bon. Ah non, le plaisir est pour moi en tout cas. Ah, t'as vu ça? Oui. Au nom du Père et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous sommes heureux de vous recevoir dans cette église pour le baptême de Destiné et son frère Anderson. Ça sert plus que je vous demande quel nom vous avez choisi parce que nous les connaissons. Mais j'aimerais vous demander le baptême pour vos enfants. Vous devrez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Monsieur Médard, Madame Médard et les autres parents, parrains, marraines, êtes-vous conscient d'aider ces enfants à grandir dans la foi? Oui. Et vous qui avez donc accepté d'être les parrains et marraines de ces enfants, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous conscient de cela aussi? Oui. D'accord, donc en signe d'accueil, moi je veux marquer sur le front des enfants un signe de croix. Parents, parrain, marraine, vous ferez après moi. Hein? Anderson, la communauté chrétienne vous accueille avec joie. En son nom, je vous marque de la croix le signe du Christ, notre Sauveur. Amen. Destiné, la communauté chrétienne vous accueille. En son nom, je vous marque le signe de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur. Amen. Parents, parrain, marraine, faites autant. Pareil, oui, c'est moi-même, je l'ai déjà fait. Destiné et Anderson, entrez dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons commencer déjà notre célébration. Au préalable, on adresse nos excuses pour ce retard abusé, un grand retard d'air. Maintenant, nous passons à la première lecture. Lisons la parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout pour contribuer à la vie, puisqu'il a appelé selon le dessein de son nom. Ceux qu'il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son fils, pour faire de ce fils l'aîné d'une multitude. Ceux qu'il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés. Ceux qui les a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qui les a justifiés, il leur a donné sa gloire. Il n'y a rien à dire de plus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre fils. Il l'a livré pour nous tous. Comment pouvait-il avec lui ne pas nous donner tout? Nous allons prendre le psaume 26 en méditation. Ma lumière est mon salut, c'est le Seigneur, ma lumière est mon salut. Le Seigneur est le rempart de ma vie, le bon Dieu, le bon Dieu,
Ils ont besoin que chacun de nous, eh bien, leur apporte quelque chose qui ne
persévérer à partir de cette foi. C'est cela votre responsabilité. Nous sommes là pour être témoins de ce sacrement, mais aussi prendre chacun de nous sa part de responsabilité dans la vie de foi, mais aussi de tous les jours de ses enfants. Sinon, à quoi servirait cette célébration? Reconnaissons-nous tous pécheurs en ce moment, en ce sacrement, et demandons le pardon et la miséricorde de Dieu. Voilà ce qui est important. Et avec eux, nous deviendrons aussi des créatures nouvelles. Et maintenant, chers frères et sœurs, chers parents, prions pour destiner en personnes qui vont recevoir la grâce du baptême. Prions pour leurs parents, parrains et marraines, pour tous les baptisés. Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Non, dites seulement priez pour nous. Moi, j'ai affaire avec chrétien. Je n'ai pas affaire avec quoi que ce soit. À moins que ce soit le contraire de ce dont je pense. Saint-Michel et tous les anges de Dieu, priez. Saint-Jean-Baptiste, priez. Saint-Joseph, priez. Saint-Pierre et Saint-Paul, priez. Tous les apôtres du Seigneur, priez. Vous tous, saints et saintes, priez. Et maintenant, vous direz de grâce et de tout, Seigneur. Pour que ces enfants, destinés et en Nelson, deviennent par le baptême membres de ton corps, de grâce et continue mon Seigneur. Pour qu'ils vivent selon l'esprit, ils vont recevoir. De grâce et continue mon Seigneur. Pour qu'ils demeurent toute leur vie dans la famille des enfants de Dieu. De grâce et continue mon Seigneur. Pour que leurs parents et mariés les aident à connaître Dieu. De grâce et continue mon Seigneur. Pour que tous les chrétiens donnent à ses enfants le témoignage de leur foi. De grâce et continue mon Seigneur. Dans le silence de notre cœur, prions le Seigneur. Père de puissance, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que ces enfants, destinés et en personne, comme chacun de nous ici présents, seront tentés par les mensonges de ce monde et devront résister à Satan. Nous t'en prions humblement. Par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-les au pouvoir des ténèbres, donne-leur la force de Christ, et gardez-les tout au long de leur vie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On dirait ça, que la force du Christ, qui est le Sauveur, et qui vit pour les siècles des siècles, te fortifie. Ephata, ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qui te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Destiné, que la force du Christ te fortifie, qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Ephata, ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets,
te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Bon, on va dire à tous pour la bénédiction de nous et le rite du baptême. Jaillir en ses enfants la grâce de la vie nouvelle. Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements. Tu as voulu, au cours des temps, que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elle reçoive en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer rouge à tes seins pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que tout homme, destiné et en bien sort, créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que ces enfants qui seront baptisés ensevelissent dans la mort avec le Christ, ressuscitent avec le Christ pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrains, marraines et tous ici rassemblés, par le sacrement de baptême que ces enfants destinés et son frère Anderson, que vous présentez, vont recevoir de la main de Dieu une vie nouvelle. Ils vont naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Ces enfants et cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, ils auront besoin de vous. Si donc vous êtes conduits par la foi, et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite maintenant, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Renoncez-vous à Satan. Renoncez-vous à toutes ses œuvres. Renoncez-vous à toutes ces séductions. Oui, je renonce. Et maintenant, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je renonce. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Oui, je rejette. Et maintenant, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Oui, je le crois.
Oui, je vous crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église catholique romaine, que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, voulez-vous que ces enfants-là, Anderson et Destiny, soient baptisés dans cette foi de l'Église catholique romaine et que nous venons tous de proclamer? Le voulez-vous? Oui. Bon, je vais maintenant lire la regarde. Ce sont des parrains et marraines qui prendront les enfants parce que c'est eux qui enfantent dans la foi. C'est leur jour. Allez. Et je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Baisse ta tête. Voilà. Anderson, je te baptise. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Super. Un chant de baptême. C'est la même huile qui est utilisée lorsqu'on ordonne les prêtres. Nos mains sont loin de l'huile sainte. C'est la même huile. Et donc, c'est l'huile aussi utilisée à la confirmation. C'est pour configurer à ses enfants la force et la puissance de l'Esprit. Destiné Anderson, vous êtes maintenant baptisé, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a libéré du péché. Et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membre du corps du Christ. Et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut, afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Saint Paul rappelle encore, maintenant dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière, vivez comme des fils de la lumière. C'est à vous, parents, parrains, marraines, que cette lumière est confiée. Ça symbolise la responsabilité que nous prenons tous aujourd'hui. Cette lumière symbolise évidemment la foi que nous avons à transmettre à ces enfants. Donc notre responsabilité, c'est de veiller de façon que cette lumière ne s'éteigne pas. Parce que si elle se teint dans leur vie, c'est que nous avons manqué à notre responsabilité. Ça veut dire veiller sur la vie de foi de ces enfants. Aider les parents à y veiller aussi et à être à la hauteur de ce que nous accomplissons ici et maintenant. Que ces enfants, illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Voilà. Donc c'est aux parrains et marraines que je remets cette lumière. C'est à vous de transmettre ça à vos enfants. Voilà. Vous transmettez ça à votre lumière. Si vous êtes un peu vous voyez que tu vas dire. Pour leur donner le goût de la parole de Dieu et non pas de n'importe quoi. Maintenant tous ensemble disons notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. T'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, mais c'est ce que tu sais. Nous vous confions tous à la grâce et à la bonté de Dieu le Père Tout-Puissant, de son Fils unique et de l'Esprit Saint, qu'il veille sur votre vie, destinée et en personne, que vous parveniez au bonheur promis en marchant à la lumière de la foi, et que nous y parvenions avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Un chant pour la consécration à l'âme. Mamma Maria, merci Mamma. Elle peut signer elle-même. Destinée, viens. Tu peux signer, non? Tiens, je signe là. Ici. Moi, je signe. Moi, tout comme le temps. Attends, attends. Ça. Allez. Encore signé.
encore là. Super. Ok. Merci. Bon, voilà. Tiens. Le pain, là. C'est bon, on est là. On s'en fout. Nous confie. Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Alors ça. Ça se passe? C'est l'autre là qui m'avait dit tu fais tout là. Merci pour les gens qui sont passés là à l'orbite. Donc, ben, à suivre. C'est quoi ça? On est plus là. Ben non. Ah, c'est Guyane, oui.
surpris. Oui, j'étais surpris. Tu m'as même pas dit. T'as vu ça. Hein, hein. Faut être surprise. Parlez mal, parlez mal. Au moment où on parle de Souzé, venez, on y va.